Salut les petits amis, ça y est, aujourd'hui on joue à WWF No Mercy, un jeu de catch assez violent, puisque finalement on est peut-être sur le meilleur jeu de catch de la console. On avait déjà eu Revenge qui laissait présager que c'était peut-être le meilleur, voire le meilleur. Et aujourd'hui on a ce No Mercy qui a beaucoup, beaucoup d'arguments. Donc je vais vous laisser une grosse intro. Qui est super bien faite, et puis après on en reparle. Allez, c'est parti! Vous laisser la petite musique de hip-hop là un moment, mais on n'a pas le temps, on n'a pas le temps parce que le jeu il est pas mal et que on doit montrer les trucs, et que si je passe du temps sur toutes les musiques qui sont bien du jeu, on est mal barré, même celle-ci elle est bien. Donc on a beaucoup beaucoup de modes, et notamment on peut jouer avec les meufs, et ça c'est trop cool. Donc on va en mettre une: exhibition, Royal Rumble, Pay-Per-View, King of the Ring, Guest Referee, Ladder Match et Iron Man Match. Nous on va faire un Iron Man Match. Toujours pareil, plusieurs possibilités, donc on aura une durée de vie de fou si vous vous intéressez au jeu. On peut même faire Watch, je sais pas si vous avez vu. Vous n'êtes pas obligé de jouer, ça peut être marrant. Et nous on va se faire un SmackDown, ça me dit bien. Vous avez plusieurs modes, un Royal War, No Mercy, SummerSlam, King of the Ring, Survivor Series, Royal Rumble, WrestleMania. Bon, on aura tout ce qu'il faut en attendant WrestleMania qui sera le dernier jeu de catch de la console, par ordre alphabétique bien évidemment. Nous on va se faire un SmackDown. SmackDown, 1m5 minutes, qui sont 10 minutes en fait, parce que les secondes c'est 2 secondes par seconde. On va prendre pour la vidéo Triple H, que ça fait un moment que j'ai envie de jouer. En mode. Putain, il y a plein de tenues. On va mettre en. Oula. On va mettre en mode arbitre. Voilà. Et l'adversaire, on va mettre des meufs. Histoire de triper un peu. Ce n'est pas sexy, c'est juste parce que bah, on les a pas trop dans les autres jeux, donc voilà. On connaît pas leur poids ni leur âge, c'est mignon, c'est mignon. Qu'est-ce qu'on va mettre un petit peu? Il n'y a pas une tenue affriolante pour ces messieurs? Ouh, en pirate, y'a rien que ça. C'est pas écrit, non? Bon. Putain, les trucs de ouf, quoi. On donne masculin limite, quoi, en zèbre. Bon, il y en avait une qui était sexy, on va mettre elle, je pense. Putain, la Barbie, là. Trop Barbie. De 4, un peu trop Barbie aussi, un peu trop dénudé. Bon, on va rester sur un truc normal. Voilà, elle est bien là. Stephanie McMahon. Go. Donc on va se faire un single match. Triple H, trop moche. Bon, les visages sont pas parfaits. Niveau graphisme, on a connu mieux. Mais dans la globalité, le jeu est quand même super beau.
On va laisser un petit peu l'intro là. Le cerveau. Smackdown Start contre la belle, je dis trop quoi là. Voilà, donc McMahon, c'est ça. Donc, ça se joue avec la manette de gauche. Donc, pour choper, c'est le bouton A. Donc, direct, on va la faire souffrir. Énorme. Sachant que moi j'ai des coups qui tapent des fois dans les parties. Alors, je sais pas s'ils ont configuré le jeu de façon. Est-ce que ça ne les tape pas quand c'est une fille? Aucune idée, donc on va voir ça. Donc le bouton B, c'est les coups de pied. Le bouton A, donc c'est pour choper. Voilà, le bouton C bas, c'est pour courir. Ok, super. C'est pas trop ce que je voulais faire. Je me suis pris un gros contre-sort là. Ouais, vas-y, tu peux choper par-dessus. C'est énorme. Eh oui, petite feinte là. Bon, tu peux remonter sur le ring, s'il te plaît. Voilà. Un petit coup de poing, on va la choper un peu. Français, on va la choper à terre aussi. Putain, elle surlève vite la garce. Oh, et ben voilà, c'est ce que je voulais faire, mais c'est elle qui m'a le fait. Mais c'est qu'elle joue bien là. On se détend. Voilà, calme-toi. Avec le petit replay. Donc, ça c'est excellent, les petits replays. Alors, c'est reparti. Voilà, il écarte les cuisses. Allez, voilà. C'est tellement sexiste ce jeu. C'est abusé. Donc, ouais, moi j'ai ressenti. C'est marrant parce que je teste d'affilée les 4 jeux de catch. Je viens de tester Attitude qui m'avait gonflé. Mais alors celui-là il me fait délirer. On est vraiment à des années-lumière. Voilà, je suis en train de faire n'importe quoi la petite. Je suis désolé pour les filles qui nous regarderaient. Oh, ça va, elle se défend bien. Ceci dit, que je prends cher, n'empêche. En fait, elle me domine total. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, ouais, niveau note, ben, ça va être largement au-dessus. Donc, par contre, il va falloir qu'on discute de la note parce que on a aussi Revenge qui était en lice pour être le meilleur jeu de catch de la console. Et donc, faut pas que je fasse n'importe quoi avec les notes parce que celui-ci a pas une meilleure intro. Mais en termes de jeu, il a l'air plus costaud. Donc, je crois que j'avais mis 15 à Revenge. Je me rappelle à peu près de la notation que j'avais fait. Et celui-ci me paraît mieux globalement, avec beaucoup de modes, beaucoup de persos, beaucoup de choses à faire, des filles, plusieurs modes genre SmackDown, WrestleMania, où tu changes les règles, tu peux choper des. Tu peux jouer avec les arbitres, tu peux choper des objets, des échelles. Tout ça, je pouvais pas dire ce genre de truc sur Attitude, il était tellement fade comparé, même s'il reste apprécié. Blah ! Il était quand même blah ! Ça s'est fait. Allez, quand même, prends cher là. C'est énorme. Globalement, largement en dessous. Et donc là, le non merci, il est trop cool. Donc, on va essayer de. Non, on gagnera pas ce combat. Je vais essayer toujours de faire une vidéo de moins de 15 minutes pour l'uploader direct. On va perdre de temps. Allez, toujours plus, étranglement. Ouais, ça c'est bon. Je sais jamais s'il faut que je marave le bouton, que je spam ou alors que je maintienne. Ouf, ça c'est beau ça, comme attouchement. On va rester appuyé pour voir. Ah, c'était pas mal aussi de rester appuyé. Je me demande si c'est pas par rapport à la fatigue. À partir du moment où tu chopes, ça fait automatiquement le processus de chopage. Alors attends, vas-y, je reste appuyé. Oh, comment elle prend cher. C'est énorme. Tu te relèves? Tu vois, je te relevais. On va essayer un truc là. On va courir et faire une frappe. J'ai raté. Moi j'aimerais monter en haut là. Enfin, pléonasme, toujours pareil. Non. Voilà, et sauter. Voilà, ça j'aime bien quand le jeu de catch ça part en couille. Donc faut pas oublier qu'on est en mode Iron Man et que quand elle commence à être fatiguée, j'ai un bâtardo qui arrive et qui veut se battre à sa place, qui va m'empêcher de la flinguer. Enfin, il est censé, parce que là il fait pas grand chose. Voilà, donc je sais pas encore comment on déloque et on lock quelqu'un d'autre. Alors cette prise a été débile quoi. Par contre là je vais me faire marave à deux. Bienvenue dans le mode Iron Man SmackDown. Ce bâtard! Je te soulève, moi! Je te soulève! Voilà, tu te détends. Et je te fais ça encore. Putain, bâtard, contre-sort. Comment on change de perso là? J'ai pas encore trouvé le bouton, mais c'est pas si grave.
En tout cas, on ne durera pas 15 000 ans. C'est pour ça que la vidéo avait duré longtemps sur Revenge. C'est que déjà, l'intro, c'était 5 minutes. Alors, voilà le truc, quoi. D'ailleurs, je l'avais appelé Legends, je sais pas pourquoi, dans un autre test. C'était Revenge. Et je me suis fait casser les couilles, encore une fois, troisième fois depuis le début du match. À la limite, on pourrait peut-être finir le combat. Tiens, elle a tapé sur son pote. Il prend ça, quoi. Blah. Je vais te choper, je vais te choper, je vais te choper. Je vais te choper. Blah. C'est excellent. Et l'autre, elle attend. Je suis sexy. Et craque les couilles! Y'a pas de replay là? Hein? Et toi, reviens par là! C'est monstrueux quoi! Vas-y, étrangle! Bon, l'autre il se barre, il a peur. Du coup, je peux retourner la taper. Voilà, et donc du coup, celle-ci va durer longtemps parce qu'on a une intro qui est moins longue. Et puis, on va pas faire 15 000 modes, on va juste faire celui-ci. Terminer le match gentiment. Je pense pas gagner avant la fin. Parce que les matchs, ça reste quand même assez long. Et ça correspond pas forcément au format que j'ai sur YouTube. On peut pas tout faire, on peut pas tester tous les modes, c'est pas possible de faire un match entier et tout ça, tout ça. Donc on va juste terminer ce match tranquillement, passer à l'ardoise et essayer de faire une vidéo de moins de 15 minutes. Pour pas être emmerdé et pouvoir continuer. Et donc le prochain, ce sera WWF Warzone. Et pour terminer, on aura WWF WrestleMania 2000. Et puis là, ben, elle prend des gros coups de pied. Vas-y, bon, bah, vu qu'elle est flinguée, on va essayer de... Il a chopé par derrière. Mais que fait-il? Je fais une fracture. Allez, encore une. Crac. Vas-y, recommence, recommence. Jusqu'à qu'elle soit dominée. Il me reste 5 secondes pour la tuer. Allez, tu vas mourir. Non, j'y arriverai pas. Après, je sais pas si... Tu sors en salle. Bon. Time up. Je sais pas si ça se fait un peu comme à la boxe, mais je pense pas. Ce sera une draw. Égalité. Ok. C'est bon. C'est terminé. Est-ce qu'elle a pris cher? Est-ce qu'on a un tableau de résultats? Ah vas-y, draw. C'était nul. Kit rematch. Donc voilà, plein de modes pour ce. Donc merci. Difficile de faire un focus. Voilà, exhibition Royal Rumble. Au moins ça vous remonte les modes. On va passer directement à l'ardoise. Moi je l'ai trouvé quand même super agréable. Je sais pas si je lui mets plus ou moins que Revenge, parce que Revenge avait quand même une super intro qui était au-dessus. En tout cas, ça fait partie des deux meilleurs jeux de catch de la console. On va peut-être faire un draw aussi pour Revenge et ce No Mercy. Allez, on passe à l'ardoise, go! Voilà, on y est, donc entre 6 et 9 euros en loose. Hein. Je ne me disais pas plus cher pour un jeu en loose quand même. 20-25 euros complet, je le trouve plus courant qu'un WF Attitude par exemple. Cependant, il est 400 fois mieux. Donc, finalement, je suis arrivé à une conclusion où il est tout simplement moyen plus sur tous les rangs. Pas comme Revenge qui a une meilleure bande son, je trouve. Une meilleure intro, mais peut-être une plus petite durée de vie. Je les ai mis ex aequo avec Revenge parce que j'estime que les deux m'ont donné vraiment envie de jouer pour dire que je ne suis pas forcément amateur de catch. Donc, j'ai mis 3 partout. Et sincèrement, si je devais conseiller un jeu de catch, je conseillerais les deux. Sachant que moi, si je devais jouer à un jeu de catch, eh ben, je jouerais à Revenge pour la simple et bonne raison que je dirais aux collègues qui jouent « Tiens, regarde cette intro de ouf !» et après, vas-y, on joue. Et je suis sûr que l'intro donne envie de jouer. Alors que là, sur No Mercy, l'intro est cool, mais moins bien. Peut-être que le gameplay, par contre, est un peu plus cool. Donc, je trouve que, personnellement, ça se vaut entre Revenge et No Mercy. À voir si vous préférez WWE versus NWO plutôt que WF. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, tous ces petits jeux de catch. Il en reste encore 2, malgré tout. WrestleMania, machin, là, et Warzone. Warzone et WrestleMania 2000. Donc on passe à ça. Allez, c'est parti, go !